Donc aujourd'hui, là, tout de suite, on est sous le tablier du pont de Bretonne, en haut de la pile numéro 6. Et ce soir, nous allons changer les appareils d'appui. Donc l'opération se passe en trois temps. Premier temps, on prépare tout le calage. Deuxième temps, on lève. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants, à 22h. Et troisième temps, on viendra changer les appareils d'appui. Au fur et à mesure qu'on lève, tous les dixièmes de millimètre, on vient tourner la cale comme ceci. Donc ici, nous avons donc la distribution hydraulique des vérins qui va soulever les 2000 tonnes du poids propre du pont. L'ordinateur surveille donc la pression, les mouvements de dénivellation du pont. Une fois qu'on a levé le tablier, donc le pont en lui-même, de 10 mm, on vient sortir les appareils d'appui, qui sont les grosses plaques en caoutchouc, qui sont vieilles de 50 ans, qu'on vient enlever à l'aide de palans et des grosses barres qui sont là. Et ensuite, dans la semaine, on vient remplacer l'appareil d'appui et redescendre le tablier.